Non mais c'est important de visiter pour rien. Les femmes. Hein. Voilà, alors que j'aurais pu me TP là, c'était pareil. Luchita à droite. Alors ça c'est beaucoup trop haut, je peux pas y aller encore. Tonight, the one and only El Linko. Ah oui, elle voulait du fromage, la vieille. Il est où le fromage? On sait pas où il est le fromage. Oh! D'accord. Bonjour. À mon frère, à la salle manie de se mettre dans des situations impossibles. Ça rend pénible pour toute la famille. Il a encore disparu, ce sac à merde. Il ne doit pas être loin, parce que je l'entends. Si tu le vois, tiens-moi au courant. Hein? Comment ça, tu l'entends? Bonjour. Rien de vous, la salade de ma recette personnelle de tortilla fraîche. Ah, intéressant. Bon, on va monter par là, alors. Oh, je tapais le poussin. Tequila. Mais j'ai pas le coup vers le bas. On peut pas faire ça. Hein. C'est par là? C'est cette maison. Hernandos. Patron, patron! Comment est-ce qu'on se fait servir à boire ici? Toi, gamin! Tu as ma tequila là! Qu'est-ce que c'est? C'est une blague! On dirait qu'il fait un dab un peu. Ouah! Encore un loup chador qui veut se faire griller comme l'abominable huevos ranchero qu'il sert ici. Patron! Ah, j'ai mal de tête. La prohibition, c'était déjà nul à l'époque où j'étais vivant. Si j'avais eu ce que c'était tout ce que le présent avait à offrir, je serais resté mort. Là, normalement, tu devrais t'enfuir en courant. Qu'est-ce que tu veux, au fait? Si tu veux savoir, j'ai été maudit par le diable. Et j'ai la tête en feu pour l'éternité. Je croyais que le fait d'avoir brûlé des gens vivants à demander la vie lui aurait plu. Mais il est chatouilleux sur le fait qu'il soit seul qui inflige les souffrances. Il a fini d'être bourré, en fait. Enfin, il était chatouillé jusqu'à ce que Kalaka finisse avec cette volaille. Hélas, rien ne peut briser ma malédiction. Ah, mais c'est comme dans la vie. Un petit verre peut parfois soulager bien des souffrances. Les biens des souffrances. C'est pas très français, mais ok. Tu vois, il n'y a pas d'alcool en enfer. Mais une fois que les mondes auront fusionné, alors l'autre feu va couler. Trollololol. Ah d'accord, carrément. C'est quoi les traducteurs? C'est quoi la version, la VO de ça, putain? Bien. Tu m'as bien fait rire, Luchador. Mais tu m'as fait perdre la tête. Oh, ma gueule de bois s'aggrave à chaque instant. Et je n'ai pas envie de griller dans le désert toute la journée. On va bien s'en boire un pour la route, non? Qu'est-ce qu'il fait? Oh! A plus de balles. Ça marche pas deux fois. Hein. Ça marche pas comme ça, les pistolets. Bon, le destin t'a pas nié, Luchador, mais je peux t'assurer que ce qui t'attend te fera penser autrement. Tiens, paye-toi un verre. Tu devrais te détendre en ville. Je te jure qu'il ne se passe rien d'intéressant dans le Daizeir. Ah, donc c'est... Ah, il me donne du pognon. Le mec me donne de quoi me payer ma tequila. C'est sympa. Bim! Les chèvres. L'homme chèvre. Beau travail avec tête de torchère. Et le reste? Mais je dois te poser une question. Les statues Chozo t'ont fait des misères quand tu étais petit? Parce que tu as l'air d'adorer les démolir. Je devrais te laisser moisir ici un moment. Mais je suis en retard pour mon feuilleton. Ils disent L plus B en l'air pour exécuter ma claque de grenouille. Merci. Claque de grenouille. Tu m'étonnes que au tout début du jeu vous avez pas vu ça parce que... c'était pendant que je lançais le stream. Il y avait un truc, attention, ce jeu peut provoquer des crises d'épilepsie, même chez les gens qui n'ont pas encore été sensibles. Je comprends pourquoi. Hein. Bienvenue, c'est ici que je vis avec ma collection de tonneaux sous le bar. Il va être déçu, je pense, si je casse tous les tonneaux. Quelle horreur, quelle horreur. Le grand Jable, pas la vieille Douelle. Pas le grand Firkin Kudbariki. Le petit Tom Altonnet. Des os pour la production.
Et on ressort, d'accord. On ressort ici. C'est où ma quête? Là-haut. Ah, je peux prendre des nouveaux coups. Chez Combo Chickens. Ah, la soif des connaissances des guerriers, n'est-ce pas? Et aisément étanché, veux-tu poursuivre ton entraînement? Oui. Non, je me suis chié. Ah oui, maintenant on peut mettre des coups de boule. Hein? Attendez. Ah, j'ai mis un coup de X de trop. Allez, reviens au centre, s'il te plaît, mec. Merci. Hein? Ah, mais c'est parce que je fais pas la bonne direction. D'accord. Oui, c'est intéressant comme combo, mais... honnêtement, moi, je pense que je vais juste bourrer un maximum. Mais je fais... Ah, et j'avais plus d'énergie. Ah, rip. J'avoue que j'ai joué en anglais, il y avait des vannes... Il y avait de la vanne pas toute compréhensible. Ah, j'ai mis du français. Salut, Fauju. Et je peux pas mettre le coup en l'air, hein. C'est un peu bizarre cette histoire. Ah mais putain, mais il faut vraiment garder à fond près de nous alors. C'est l'horreur. Tiens, je le pousse sur le coin. Non mais arrête. Voilà. La claque, t'es le meilleur. Un autre ? Bravo. Mais non mais... D'accord. Ah oui, parce qu'on peut vraiment tout apprendre à fond. Mais faut enchaîner ou comment ça se passe? Parce que, bon là, évidemment, c'est compliqué. Je peux pas enchaîner, il s'en va le con. C'est terrible ça. Salut Titis. Oh, faut que je fasse ça en l'air, je sais pas. Ah, c'est peut-être ça, faut le faire direct. C'est un peu chiant, hein. Je pense qu'on comprend mieux pourquoi on va pas faire ça dans le jeu. On peut partir là, s'il te plaît? Bon, on va finir, mais ça m'emmerde. Ça n'a aucun sens ces coups là. Ça c'est mal fait, ça c'est mal fait. Allez, mais je peux pas. Ok, super. Oh lolo, oh lolo, calme-toi le jeu. Alors, hop. Hop. Hein? Ah! Putain, mais quelle horreur. C'est bon, ça passe. Ouf. Victoire. Alors.
Mais c'est infini. Et j'ai pas assez d'énergie pour le faire. Victoire. Ok, mais j'ai bien aimé le jeu. Ah. Ce qui fait déjà deux avis positifs. Et le B à la fin, putain, mais... Ah, désolé, hein, désolé, mais je me casse. Bon, tu es trop fort pour toi, oui, ça m'emmerde. Ça m'emmerde, le jeu est plus fort que moi. Hein. Boum. Ah, j'ai décidé de devenir chasseur de trésors amateur. Je devrais signer si je trouve quelque chose. Merci. Le desierto caliente. Oula! Ah, mais il y a des petites créatures volantes également. Ça fait mal, hein. Ils sont vénères dans le désert. Et ça, on peut pas les tuer visiblement, ça fait juste des dégâts au sol. Donc méfiance. Non! Mais non, mais... Ah. Mais il y avait un coffre. Quoi? Bon de bâtard. D'accord. Putain, sérieusement, le truc qui apparaît derrière moi là. Ah, premier décès, tiens. Ah bah du coup, c'est parfait. Hop. C'est l'opti finalement. Est-ce qu'on peut l'envoyer ça sur eux? Oui, ça fonctionne. On peut envoyer les méchants. C'est le relou celui-là. Est-ce qu'on peut dire qu'on est con quand on part à 8h du mat et qu'en rentrant à 10h30 qu'il fait froid? Parce que la fenêtre de la salle de bain est restée ouverte. Alors c'est vrai qu'il manque la dernière fin, la fin de la phrase. Non, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Un oubli, ce n'est pas très grave. Évidemment, il faut pas que ça arrive tous les jours parce que sinon ça va coûter cher en chauffage. Merde. Oh, j'ai pas fait le suplex quoi. Bon du coup j'ai pas envie de tout... Voilà, j'ai envie d'abord aller voir ce qui se passe. On peut pas faire un petit damage boost là avec lui? Bon ça sera pour après j'imagine. On dirait qu'on peut passer là dans les petits trous mais... Pas tout de suite visiblement. Alors, putain, j'ai 6000 de thunes. On va acheter le coup de pied. Das Boot. LB côté, LB bas. Marteau pilon. Je confirme ça. Non mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave. Allez, retard d'endurance, bim. Crise de shopping, bah oui. Le baston. Appuie sur LB une fois en l'air pour frapper les ennemis au sol. Ah, intéressant. Ah oui, parce qu'ils font ça, et si je les frappe au sol, c'est bon, je peux les chercher. Et j'ai fait l'esquive là, vas-y, wesh. Allez. Là-bas il y avait le cœur, 100%.
c'est le Yawaker. Et bim! Sacred Art. Mais non, mais nique-toi! Tout ça pour que dalle. On a une petite régène de vie quand même. C'est sympa. Hop. Bon, tu les trucs, ça sert un peu à rien, je pense. De trop forcer. Pas les gueux. Pas les gueux. Putain. Faut les timings, hein. Et bim. Et régène. Ça sympa. Appuie sur... Ah, LB pour briser les boucliers, d'accord. Appuie sur L+B pour les boucliers rouges. D'accord, il y a cette histoire maintenant. Et B pour les jaunes, évidemment. C'est Pignata ? Pignata. On peut monter là ? Ah, c'est pas clair, hein. Et maintenant on sait comment les buter ceux-là. Un petit coup comme ça là et hop, c'est réglé. On n'est pas obligé de buter tout le monde. Hein. Ah, qui va là? C'est toi avec cette abeille. Je t'entends ici. Allez, laisse-moi sortir. Je sais pas ce que tu y trouves, c'est un bruit de caca, il se sert de toi. Ok. Ah merde, si on fait le mauvais truc sur le bouclier, on se fait baiser. Aïe. Putain, mais oui. Mais comme ils sont à côté, c'est pas évident. Tout va bien. Salut Léo. Par-dessus la troisième corde, putain. Allô Chador, messieurs. Juan. Juan, caramba, Juan. Je pensais que tu étais mort. Juan, qu'est-ce que je viens de te voir en vie. J'ai beaucoup pleuré quand j'ai cru que Kalaka t'avait tué. Et voilà, je me mets à pleurer de nouveau. Mais assez de larmes, vite Juan. Aide-moi avant que cette folle de copine de Kalaka ne revienne. Pas si vite. Un petit tango. Ah, Luciadol. Tel le chou qui roule sur le pavé, tu t'es jeté dans mon piège. C'est quoi cette... cette histoire de chou, là? Je ne comprends pas pourquoi ta chair n'est pas putréfiée. Je t'avais pourtant jeté dans le monde des morts, mais... Peu importe. Sois gentil, ne bouge pas, d'accord? Il faut que je me fasse une petite fraîcheur. Kalaka s'en vient.
Regarde-toi, emprisonné dans cette caverne. T'es brisé, ton amour rejeté. Trop bien pour être un louchador. C'est vraiment le Gold Edition ou le Super Turbo Championship Edition? Non, c'est le Gold Edition. Tu devrais profiter de l'occasion pour réévaluer ta pitoyable vie. Je crois, hein, je crois bien que c'est le Gold Edition. J'ai pris le pack avec le 1 et le 2. Et le 1 était en mode de gold. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, il repense à sa feu meuf. Qui disait tout à l'heure, rappelle-toi l'été dernier, quand on était enfant. Tu voulais être un luchador, mais tu n'étais qu'un faible garçon en slip. Mais moi, je t'aimais déjà. Par contre, je sais pas comment on peut être dans les souvenirs de la meuf. C'est pas très clair. C'est quoi la différence? Je sais pas quelle est la différence. Aïe toi, luchador. J'ai absolument pas d'idée. Je sais pas si ce que ça change. Peut-être des contenus supplémentaires. J'ai vu qu'il y avait des costumes, peut-être des costumes en plus. Ainsi, c'est lui qui a tué mon Albridge. Quelle déception. Tu vois, je t'avais dit que tu l'avais. Je l'avais attrapé. Calci. Ah voilà, il y en a un où il y a quelques trucs en plus. Mais attendez, parce que il y a Guacamelee, il y a Guacamelee Gold Edition, et il y a la Super Turbo Edition. Ils ont sorti le jeu 3 fois. Enfin, ils ont sorti 3 versions différentes. Ah, c'était pas ma faute, c'était la sienne. Silence. Tu parleras quand je te le dirai. Maintenant, retourne dans ton trou puant à Pueblo de Chol, qu'est-ce que j'ai besoin de toi? À condition que j'oublie que c'était toi qui avais la garde de mon familier quand il a été tué. Mais non. Allez, tombé, love d'un voyou. Putain. Alors, je t'adore. Je pourrais t'éliminer tout de suite, mais ce serait trop facile. Ah, ça, c'est un bon méchant, ça. Adieu, gamin. Plus t'es mort, être aussi inintéressante que ta vie. Je suis un poulet. Ah, mais c'est comme ça qu'on passe en dessous. Toulut. On peut taper. Guacamelee tout court, j'en ai pas vu la couleur. Hein. Petit poulet. Petit poulet. Elle est où la poulette? Balles de poulet. Je sais pas où je dois aller. Bah pas là. Petit passage. On peut faire des Y aussi. Hein. Je sais pas à quoi ça sert, mais on peut faire des Y. Regarde, il m'a touché quand même. Oh, je suis mort. Je suis mort en tant que poulet. Oh yeah. Ok, c'est de l'esquive en fait. Les bleus, voilà, on saute. Et les autres, on se plante derrière. Je sais pas ce que ça fait Y, mais visiblement, rien d'intéressant. Incroyable phase de plateforme de poulet. Mais on veut passer en bas. 100% on veut passer en bas. Et ouais, mais évidemment.
Il y a même un autre passage là, non, je rêve pas. Non, il y a un... je rêve. Couille, c'est fort en pomme. Fort en pomme. Doum. X pour attaquer. Oui, non, mais on me rappelle que je peux attaquer en tant que poulet. C'est quoi Y? Mais ça fait rien. Je peux pas faire Y, c'est de la feinte. Incroyable. Oula. Attention à ça quand même. Saleté. Poulet. Bonjour. Je t'attendais. Ne t'inquiète pas de savoir qui je suis. Disons seulement que j'ai intérêt à ce que tu fasses échouer le plan de Kalaka. Tu vois, nous avons reçu tous les deux la même malédiction. Heureusement pour toi, je peux t'apprendre à transformer en humain. Il te suffit de fermer les yeux, frapper trois fois, tes éperons l'un contre l'autre, et penser très fort de libérer le luchador qui est un toura. Quoi, ça marche pas? Bon alors appuie sur LB, ça ira. Puissance del Polo, le Polo Power. Salut Brian. Magnifique. Pourquoi est-ce que je me transforme pas en humain? Tu plaisantes. Pour me gaver de pain et dégouiner de sueur jusqu'à ce que je revienne poussière. Je m'en vais, je vais préserver. Je suis occupé de surveiller. Je suis occupé de surveiller Kalaka et sa bande. Son obsession pour la fille del Presidente n'a pas été très bien reçue par sa copine. Le repère de Xtabei. À Pueblocho, on entendait des sanglots qui couvraient cette chanson d'Adèle, qu'elle écoutait en boucle. C'était quoi Adèle déjà? Rappelez-moi les paroles. Je l'ai plus. J'ai l'air, je vois le clip, j'ai l'air dans la tête, mais ça ne revient pas. Ah, peut-être que si tu parviens à la consoler, elle pourra te donner des informations sur Kalaka. On dirait qu'elle lui en veut. De ce côté, gros malin. Oui, non mais je voulais aller là-bas, moi. Petit poulet. Petit poulet. Pouic, pouic, pouic. Il va plus vite, le poulet, non? Tou-tou. 100% un passage de poulet, ça, là-bas. C'est un saut chelou à faire. Est-ce que je peux me transformer en poulet en l'air? Alors, il y a une astuce à faire, je suis sûr. Mais non, mais il y a un mur, quel con. Les paroles de quoi? De Adèle. Ah, c'est Rolling into deep, in the Deep, ou un truc comme ça. Rolling in the Deep. Me gusta Kalaka. Rolling in the Deep, c'est ça. Petit poulet, petit poulet. Ah, et on peut parler aux morts. Ah, mais c'est comme ça qu'on va choper le coffre. C'est ça l'astuce. Bon, il faut que j'aille où quand même, parce qu'un moment. Forêt del Chivo. Non, c'est pas, c'est juste Forêt del Chivo. Mais en bas à droite, il y a un truc. Et à gauche aussi. À droite là-bas. On dirait bien qu'il y a un truc. Là, voilà.
Petit poulet. Du pognon. Doum. Un morceau d'endurance. Et sur la carte, là, c'est quoi qu'on voit? Ah, mais c'est fermé. Ah, d'accord. Faut revenir dans le monde des vivants. Viva Pignata. J'ai déjà cassé la Pignata. Tu. Pas la mortadelle, putain. Oui, bravo. Alors, voilà pour le boîte chaud. Oh là, la baston. Relou celui-là. C'est bon, on peut le bloquer. Non, c'est pas le bon bouclier. Ok, yo. Faut faire sortir et lui mettre un coup. D'accord. Et bim. Encore un cœur. Bagarre. Hein? J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que ça a ouvert. Ça a activé quoi? On entend le timer, mais je sais pas. Bon, soit. Il y a un coffre en bas. Ah oui, maintenant on peut ouvrir plein de trucs. D'accord, c'est du pognon. Moins rentable quand même. Évidemment, on veut quand même y aller. Oups. Pas mal. Ah, faut être un poulet. Faut être un poulet pour sauter loin, j'imagine. Ah, je pensais qu'on pouvait arnaquer un truc. Pas super clair. Hein. Là, c'était plus intéressant, un petit cœur. Petit poulet. Je te balle. Qu'est-ce qui se passe? Allô? C'est bon. Là, il y a un truc.
Oui, mais on connaît ça. Il y a juste le truc bleu. Alors, le bleu, je l'ai pas, on est d'accord. On m'indique un truc là, mais je l'ai pas. Non, c'est pas là. Par contre, il y a un vert. Quel bordel, il va y avoir plein de trucs à checker. Là-bas. Là, il y a le poulet déjà. Petit poulet. Voilà, vous pouvez un passage quand même. Hein? Ça sert à rien. Ah, mais si. Oui, et on avait dit qu'il y a un coffre en bas là, donc let's go. Il est où? Je suis pas au bon endroit, mais quel idiot. Vite, transformation en poulet. Damage boost. Ah putain, mais on peut faire ça. Incroyable. Là, il y a le... Là, il y a le poulet. Hop, un petit cœur. Poink. Ok, c'était là-haut. Ah oui, maintenant je peux y aller. Hop, fantastique. Tout ça pour de la thune. Plus 10 de bonus d'argent. J'ai tout fait. Il y a les bleus, mais les bleus, j'ai pas. Et tout à gauche, il y a peut-être un truc aussi. On dirait qu'il y a un truc. Ah, mais bon, je peux passer en tant que poulet, là? Il peut pas faire des wall jump, mon poulet. Aïe, aïe, aïe. Voilà, Léo, tu joues aussi à ce jeu. Allez, on remonte tout, hein, parce que voilà, quand même, on est un peu là pour ça. Ah, bon appétit. Oups. On peut pas les tuer ceux-là. Hein. Pueblo Cho. C'est pas parce que c'est le monde des morts qu'on fait tout le temps la tête, hein. Tiens, par exemple, aujourd'hui, je prépare une grande fiesta pour tous mes amigos. Bonne idée. Champ d'agave. Non, mais c'est pas là que je dois aller. Évidemment que c'est pas là que je dois aller. Il faut que j'aille... En bas, d'accord. À travers une des maisons. Oh, petite fille. À de bon vivant, j'habitais cette maison. J'avais mon jouet préféré. Un luchador articulé. Ah, qu'est-ce que je m'amusais avec. Ah, il faut revenir dans le monde des vivants. Regardez, c'est VVVVV.
petite référence à VVVV. Bouya. Ah oui, mais on est déjà passé par là, c'est vrai. Petit poulet. Une porte. C'est un boss fight. Luchador, comment m'as-tu trouvé? Je ne suis pas d'humeur, j'ai une grosse migraine, laisse-moi seul. Tu veux que je t'aide? À vous les hommes, vous êtes tous pareils. Charmant et disponible quand vous voulez quelque chose. Mais tout à coup très occupé avec une sale petite dinde bien minaudée. Exactement comme ce goujat de Kalaka. Cassez le cul. Pardon, Luchador, je me suis énervé. Il n'est pas utile d'être négligé de la sorte. Est-ce trop demandé qu'un peu d'affection? On se sent tous bien seuls parfois, n'est-ce pas, Luchador? Besoin de tendresse, d'émotion, d'excitation? Oui. Viens à moi, Luchador. Prends-moi dans tes bras puissants. Comme tu es prévisible. Bientôt, tu seras mon esclave, et là, je commencerai à m'amuser. Petit baston. D'accord. Alors, faut apprendre les patterns. On peut pas esquiver ça? C'est dégueulasse. Elle prend pas très cher. Moi je prends un peu cher par contre. Arrête. Hein? D'accord, c'est une autre phase. Non mais je vais dedans. Je vais dedans. C'est bon, je connais les patterns maintenant. Easy. Allez, j'ai déjà mis un peu plus cher là. Non, j'ai sauté trop tard. Toi bien. Pourquoi je fais ça? Abandonne, Luchador. Ton destin est scellé. Il ne sortira pas vivant de cette caverne. What? Qu'est-ce que tu fais là? D'accord, une petite pluie devant elle. Elle est vénère, hein. Bim, Festa, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu auras la force de me battre? Comme c'est drôle. Ces crânes sur les murs appartiennent à ceux qui sont venus ici avant toi. Quel crâne? Il n'y en a pas beaucoup, ça va. Ah oui, alors faut lui mettre un petit coup. J'en ai eu une phase. Merde.
Casse-toi. Qu'est-ce que tu fais, meuf? Ils sont sur le tableau, ouais, c'est ça, il n'y a pas tant que ça. Coup de boulot, le mec. Qu'est-ce que t'as, meuf? Oh, le Chador, je crois que je t'ai sous-estimé. Mais je pense que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Je vais t'épargner. Ah, tu sais qu'Alakan n'a pas toujours été un sale type. Il a été beau gosse, exactement comme toi. Veux-tu que je te conte son histoire? Raconte-moi. Un peu long. Carlos était connu sous le nom de oh merde, mon dieu. On disait qu'il était le meilleur de la charriera. Une seule épreuve lui avait échappé. La grande charrieta. Il était prêt à tout pour la remporter. Mais les soirs précédant la compétition, Carlos s'est cassé le bras. Il était désespéré, et le comme il est irréparable. En échange de son âme, Carlos remporta l'épreuve. Mais juste alors qu'il s'apprêtait à savourer mon dieu, à sa chair sépétrifia, il fut entraîné dans le monde des mœurs. Carlos se sentit trahi, car il n'a pas profité de la gloire qu'il désirait tant. Il jura de se venger du diable. Il le défia dans un combat de coq. Diplôme, Académie, j'arrive pas à lire. Et Luciano, Fernando, machin. La condamnée de diable fut transformée en coq. Incroyable, mais si vous êtes si fort, comment je peux vous casser le cul? Carlos prit le pouvoir sur le monde des morts et entreprit de fusionner avec le monde des vivants. Et pour faire de tout le monde ses esclaves, pour que tous l'adorent. Quel homme. Ah là là, il se bat contre le diable. La truite avait peut-être raison après tout. Je mérite mieux que Kalaka, et quelqu'un doit l'arrêter. Kalaka et tête de torchère ont emmené la fille d'El Presidente au sommet du temple de la guerre, sans doute pour l'un de leurs rituels débiles. Pour atteindre le temple, tu devras escalader le grand arbre de tulle qui se trouve dans la forêt. Mais il te faudra aussi le pouvoir de passer entre les dimensions. Laisse-moi te donner ce pouvoir. Merci. Changement de dimension. C'est facile, hein. Maintenant appuie sur RT, le pouvoir est à toi. C'est quoi? Ça finit toujours comme ça avec les méchants garçons. Je me demande si Frey a une copine. Regarde. C'est bon. Un petit crâne. Crâne. Pauvre diable. Ah là là. D'accord. Et là, on peut chercher le cadeau de la petite fille. Du coup. Le jouet de la petite fille. Elle est où la petite fille? C'est Polo. El Polo. Tous les trucs. On peut pas dans la maison.
C'était là la fille. Tu as le luchador articulé? Eh oui, je lui rends. Mon luchador, quel bonheur que maman l'ait gardé. Gracias, señor. Voici un cadeau pour toi, ce sera ton jouet. J'espère que tu l'aimes. Un cœur. D'accord, et donc on peut switcher en mode poulet, y a pas de souci. Alors je dois aller où? La forêt del Chivo. C'est en haut. Ils sont pas là tes amis? Ils sont pas arrivés encore? Dommage. Et après faut aller arbre de tulle tout en bas. Toutoum. Donc j'en ai rien à battre de tous vous tuer. C'est ouf. Toutoum. Donc c'est bien un petit peu comme Link to the Past finalement, on change de monde. Je m'en doutais. Fallait faire un petit saut. Petit saut. Non mais... Oh vas-y c'est bon, ça passe comme ça.